Bah, tu sais, chien, tout le monde gueule chien. Chien hein. Tu dis, bah, pourquoi tu l'appelles chien? Parce que. Bah, en même temps, c'est un peu un chien. On va pas s'acharner là-dessus. On va commencer directement sur cette game 1 de ce set de winner final BO5 qui va opposer Bush Altec à Nidhogg Back. Qui est bon, qui fait aussi partie de la BAB, de la Mannschaft, de la SNB. Il a plusieurs crocs à son actif. Et n'oubliez pas les amis, Bush c'est une crew, hein, c'est une team, c'est pas un sponsor, donc n'hésitez pas à sponsor Altec qui est je pense le joueur français sans sponsor qui mérite le plus actuellement, hein, ou parmi ceux qui méritent le plus. Voilà, il y en a une bonne poignée qui mérite, mais Altec est l'un des plus méritants, il le prouve, il se déplace bien en tournoi, il fait des bons résultats. Il a envoyé Léon une fois. En effet, il a même une ouf à Saraflo, hein, à domicile. Allez. Là, c'est un EP qui est trouvé sur le stage, la magnifique confirme, on la connaît celle-là. Absolument, et voilà, on était en train de le rincer de compliments et il nous a montré pourquoi dès le début. Voilà, oh là là, c'est encore le fois. Le Ektos into forward air. Vraiment, on rate pas ses conversions côté back, on les fiche, on sait parfaitement quand est-ce qu'on peut aller avec tout ça. Et en plus, c'est exécuté de manière très safe, hein, même un whiff. C'est ça. Vraiment, c'est. On a l'impression qu'il met des dingueries sans raison, back. Mais en fait, il gère extrêmement bien son risk reward. Et la façon dont il peut s'échapper en cas de whiff. Mais en vrai, ça, c'est un des points forts de Yoshi. Hein. Tu penses que c'est des dingueries, mais c'est calculé. Voilà, c'est pas les Fairbits de Nonocolor. Voilà, c'est ça. Oui, on va les tacler, les Fairbits. C'est devenu un même, hein, à terme. Ok, là on n'a pas de conversion sur le Ektos. On a essayé peut-être de catch. Il arrive quand même à trouver une grosse phase d'avantage avec un maximum d'œufs. Petit reverse nerf là. Encore une fois. Les grosses teams, les Timberlands. Et on évite. Je pense que Yoshi vient de New York. Ah, c'est possible, culture new-yorkaise. Et voilà, folie de faire, tout simplement. Hein. Il avait beau être dans le fantôme, ça l'a pas empêché de se prendre le coup de queue. Hein. Ouais, là, oh le Bush Cook, oh, ouais. Là il était spacé parfaitement pour juste le faire à top shield sans se poser de questions. Et encore une fois une situation de dernière stock, y'a que ça dans ces sets, mon dieu. Ouais, ça allait relativement vite, hein. Ça fait un peu plus de 2 minutes qu'on joue. Ça va, on est sur un rythme de jeu assez dingue. Là, après la première stock est vraiment partie rapidement pour back. Oui. Il m'a trouvé d'autres assez rapides, mais pour l'instant c'est à l'avantage d'Altec qui a déjà quasiment 70% sur le Yoshi. Après c'est un bonhomme assez lourd, hein, le dinosaure. En plus d'être très flottant, d'avoir un gros drift, il est lourd, c'est un gros tas. Exact. Pour l'instant on cherche juste à essayer de prendre un petit peu de terrain, Altec, de mettre un peu de distance. On va mettre la pression dans le corner. Back a beau essayer d'utiliser l'espace derrière lui, il se fait avoir par les burst options qui en plus sont des empires assez décents. Donc vraiment c'est difficile pour lui de choisir de se mettre en l'air face à Zelda. Très joli shield, c'était pile à temps. On a du mal à approcher côté back, on a du mal à trouver quelque chose. Un petit top air. Petit top air avec Toss. Très jolie couverture avec le der. Voilà, on fait monter les pourcents tout doucement, on essaie de rattraper peu à peu. Ok, on va encore trouver un Amer qui celui-là va mettre 35%. C'est bon, on est revenu, on n'arrive pas à trouver le fer. Ok, là on a Tech qui a laissé la hitbox la deuxième hitbox du UB apparaître avant d'attraper la ledge, histoire de pas se prendre juste un classique nerf devant la ledge pour catcher les téléportes. Le truc qui tue si bien les Palutena par exemple. Zelda a ce petit mix-up à sa portée qui est très bien utilisé. Alors là, on s'est retourné en l'air. Remontée, Baker. J'ai pas compris comment il s'est retourné en l'air. Et bah, en fait. Ah, mais le double jump. Oui, le double jump. Yoshi, ça le retourne si, selon le stick. N'importe quel double jump. Non. Non. Bah, non. Ouais, moi, plus d'autres persos, tu peux faire des jumps en arrière sans te retourner. C'est seulement les persos avec plusieurs jumps qui ont ça aussi. Ouais. J'ai oublié que Yoshi, il a ça. C'est une particularité du perso qui est assez dingue. D'accord. Bah écoute, si tu veux faire un jump en arrière sans te retourner, tu dois genre jump avec le stick en neutral et direct après. C'est comme sur le sol quand tu fais un backflip, donc quand tu sautes vers l'arrière mais tu le gardes toujours en avant, et bah c'est la même chose en arrière. Hein. C'est un timing assez précis. Mais là j'ai jamais oublié que le perso se retournait comme ça. Ça donne accès à des mix-ups de malade dans les airs quand même. Hein.
Et ça, et puis en plus. Parce que le backer, c'est vraiment pas la même prime d'attaque que le forwarder. Hein. Non, non, et puis en plus, peut-être pas la même éjection en plus, c'est quand même. Un peu raciste. Bah, surtout en fait, comme c'est un multi-hit qui dure bien longtemps, ça couvre plusieurs timings quand tu essaies d'attraper quelqu'un dans les airs, par exemple pour catch une spot dodge, enfin une air dodge ou un truc comme ça. Et bah qui. Et si on se prend en troisième coup, c'est très bien utilisé. Oh là là. Oh, le S-Mash, malheureusement, ça tuera pas. Oh, il s'est fait reverse avec le neutral B, malheureusement il a été un peu présent d'aller chercher avec un fer là-dessus. C'est un peu RNG de savoir où est-ce que va t'envoyer le neutral B. Mais là c'était. Il y avait tout à gagner et rien à perdre pour Altec. Hein. En plus il y a une invincibilité qui permet de limiter ça. Mais attention, on prend le Hector, c'est tout fordé encore une fois. Ça va super vite. Les stocks explosent. On est entre des arnaques et des left traps très bien trouvés. Bon, oh, très bonne patience côté back, il se fabrique son shield, mais on se prend quand même une petite phase. En plus c'est safe on shield sur Smash. Même si le but c'est un peu plus de poke avec le multi sur les autres persos, ça marche aussi contre Yoshi, même si on peut mettre shield poke, juste parce que c'est safe en fait. Voilà, ça, et puis même descendre son shield, ça met de la pression en plus. Voilà, après il aura moins envie de shield par peur de se faire shield break. Tu peux couvrir les autres options. Tu peux t'attendre à une spot 2. Voilà, voilà, les 3 EPR qui font 74% avec ce qu'il y avait déjà avant. On trouve le Eglé offstage, malheureusement, on n'arrivera pas à le punir. Il a essayé de l'assassiner avec le forwarder. Ok, et bien ça, typiquement, l'utilité du Displace Phantom, le Ektos s'est fracassé contre le Phantom et après le Phantom est quand même parti, tu vois. Ouais. Là où l'Ektos aurait cancel le Phantom Knight s'il y a un TKK qui le charger sans le Displace. Mais alors les stocks explosent. Les stocks deux minutes et on n'a plus qu'à une stock chacun encore une fois. Petite dash attack, on finit bien, coque de back. Up tilt, up air, triple pair. Une triple pair, voilà, les combos 80%, on arrive à trouver le dernier coup. On arrive pas à atterrir. Oh, on a failli se prendre cette hitbox, on a bien réagi avec l'air dodge. Ok, le nerf auto shield. Non, on a pas fonctionné sur snatch trap. Oh là là, super bien call out les timings. Et Hans, on va faire quelque chose, on va pas se prendre une deuxième douille encore une fois. Okay. Et là on la joue pas sur on veut juste de se prendre trop de pourcents aussi de la Zelda, on pourrait mourir bien vite, on le sait. Absolument, Altec sur une phase d'avantage, il peut faire des dingueries. Et vraiment c'est difficile de sortir contre lui, il a des phases d'avantage qui durent très très longtemps par son jeu carré. Oh, le retreat forwarder qui aurait été juste un petit peu trop en avant qui va se faire shield grab. Ok, on trouve pas le tilt upper, c'est pas tout. Et là, voilà. Et le dernier coup, voilà, qui touche vraiment. Okay. Il est raciste, hein, ce backer, je dois l'avouer. Le dernier coup, il fait beaucoup de choses. Oh là, mais ça c'est le meilleur écran de victoire de Yoshi. Il te met des patates et après, il te montre ses dorsaux enflés. Hypertrophié par la salle. Magnifique carapace, hein. Déjà un lead 2-0 de base sur Altec, hein. Et pourtant, c'est pas faute de garder le set compétitif, hein. Ouais, hein. Altec, il propose un jeu d'un niveau astronomique. Encore une fois, hein, je pense que c'est un set qu'on doit regarder parce qu'il est beau. Voilà, il est direct. On tempo pour éviter de se prendre tout le reste. J'ai l'impression qu'il y a un petit problème technique. Ah, il a le soleil dans les yeux. Oh merde! Ah, c'est pas bon. Est-ce qu'on va réussir à fermer les rideaux? Okay. Oui, et puis en plus, il recommence la game. Voilà, malheureusement, comme c'est. Bah, le printemps, voilà, le début du printemps à 18h, le soleil il est quand même assez bas. On et enfin on peut le voir sur la cam, là il a tout, tout en pleine face. C'est chaud. Avec l'effet loop des lumières. Ah, c'est bon, c'est bon, la Buff Team qui se place en tant que shield. Ah ouais. Oh, ils sont magnifiques, ah ouais, regardez. On a un rideau humain de la Buff Team là, qui en plus va gueuler ses meilleures bûches. Dès la moindre action. Voilà, en plein dans les oreilles de Bach. On essaie de régler les problèmes techniques. Hein. Par contre, il va pas falloir trop réagir. C'est pas le seul à être dérangé par le soleil. Hein. Ouais, si quelqu'un bouge, c'est un peu n'importe quoi. Vous voulez pas mettre un manteau devant la fenêtre, peut-être? Quand c'est un manteau dedans. Ouais, c'est ça, juste. Il y a des rideaux, dans cette salle on a des rideaux.
Alors non, il n'y en a pas partout. Ah d'accord, oui, j'ai budget limité, hein, le Game Campus. Hein. Bah, c'est plutôt qu'il y a certaines salles qui sont pas forcément utilisées pour les streams. Ouais, celle-là si, surtout qu'avant avant c'était une salle pour les joueurs Fortnite, quand il y avait encore les classes de Fortnite. Voilà, on faisait l'Académie, du coup forcément tu te doutes que pareil, hein, la lumière sur l'écran c'est pas ouf. Effectivement. C'est pour ça qu'il y a des rideaux. Alors est-ce qu'ils vont trouver une solution? Ah, il décale le setup de stream entier là. Ok, ils avancent un petit peu. Est-ce que ça suffira pour Altec ou est-ce qu'il a encore le soleil? Et franchement, ça interrompt le set d'une manière significative. Hein. On en a vu des problèmes techniques, mais qui aurait pensé? On voit plus que Altec sur la cam, on voit plus. C'est ça. Mais ouais, ça se trouve, ça peut totalement couper le momentum de vague dans ce set. Hein. Ouais, ça peut offrir à Altec le reset mental pour travailler. Et pour rebondir sur ce début là, 2-0. En plus, il n'y a personne à la régie pour changer la scène. Allez. Ah bah super! On est abandonné par la production. Oh! Regarde la technique qu'ils vont faire. Ils sortent le fond kakémono. Vert! Ouais, c'est un fond vert. Oui. On n'a pas de parents malheureusement. Et hop, le fond vert pour faire le shield. Bon, du coup, j'espère que ça cache pas trop l'écran pour le public. Ouais, j'espère aussi. Et d'ailleurs, on peut même demander à la régie d'afficher quelque chose sur le fond vert s'ils veulent. Waouh, mais ce serait Une grosse image de Yoshi là. Ambiance bizarre. Magnifique. Le Yoshi obèse là. un petit Yoshi noir. En condoléance. Le Yoshi noir de Smash 4 qui a été retiré du jeu pour Ultimate. Alors franchement, je suis désolé, je l'ai vu la première fois, le carpet, je l'ai trouvé dégueulasse. Hein. Un peu dégoûté qu'il n'y ait plus le noir du coup. De Yoshi's Woolly World. Bon. Il a parfaitement collé avec le timing de grab d'Altec avec cette spot dodge. Il a trouvé cette petite phase pour commencer, mais on a une réponse directe d'Altec avec celle d'un throw into summer spot bush kick. D'ailleurs, il avait fait un dare juste avant pour stopper la dash attaque. Ce qui a mis dans bon momentum. Hein. Ok, un ring fit nair sur le shield pour éviter toute punition un petit peu trop direct. Voilà, et là on grappe les pourcents avec le dare, on tank le buff kick et puis ensuite on répond avec un upper. Okay. Là, oui, on a une certaine adaptation d'Altec qui arrive vraiment à trouver ses grabs sur back. Ouais, on a le double jump qui va tanker le buff kick. Ça aurait pas été tout à fait cool ce down tilt lightning kick de Zelda. Mais on aura quand même mis énormément de pourcents. Et là, avec ce neutral B, on va renvoyer back off stage. Est-ce qu'on va réussir à en tirer avec le up? Ouais, bien joué ça. On voit back qui essaye énormément de mix-up ses landings et souvent en atterrissant sur la plateforme. Et Altec va vraiment couvrir ça avec son upper gigantesque. On retrouve le down throw, bush kick qui va envoyer off stage encore une fois. Back obligé de recover high pour éviter un ledge trap avec le Phantom Knight. Ce sera le plus simple, mais attention aux couvertures d'Altec. Parce que ça donne très chaud. Du coup, effectivement. Hop là. Ce petit nerf auto shield, la classique. Oh, et là, on réagit bien au down B. Hein. Je pense que si on se le prenait, c'était le shield break assuré. Du coup, Blastoc également. Qu'est-ce qu'on va faire? On attend un petit peu, mais on se prend le bush kick pour back. Ouais, le jab qui a poussé le shield juste assez loin pour avoir un bush kick parfaitement spacé pour sweet spot. Oh, l'extension de la hitbox sur le Phantom Knight. Ça aura fait un superbe taf pour back. Ça aura totalement changé le timing du finish d'Altec. Et ça aura été whiffé. Voilà, mais pour l'instant, il a toujours 123%. Du coup, c'est le retard. Hein. Il faut qu'il arrive à le rattraper. Il esquive les anti-airs comme il faut. Il va attraper de bien loin. La back throw qui va pas encore tuer. Quand même, on est vachement lourd. Quand on est Yoshi. On a beaucoup d'eux en soi à pondre. Donc, Oh là là, on tempo bien le neutral B pour éviter de se faire tèche comme ici. Donc, le neutral B de Zelda qui va empêcher de te prendre le fake combo, l'extension le pair. Encore une fois, le pivot grab il attrape de si loin et l'Upcrow va tuer. L'Upcrow qui a une bonne kill pro de Zelda. Faut qu'on ait du stage. Non, je dirais. Eglé into le pair, on va trouver ses petits pourcentages safe. Oh là là, il est quand même retourné dedans. Le magnète, oh et le joli, joli patience pour trouver un peu après. Ok,
Ok, on trouve pas le deuxième backer. Le multi aurait pu offrir à back la tech chase dont il avait besoin pour confirm sur un kill move. 127% sur Altec, il a essayé de conserver son avance. Mais voilà. Il s'est fait toucher par la fin du fer, du coup il n'a pas pu répondre, je pense, avec un out of shield. Et on arrive à trouver le bon repère avant le premier, il a bait, la première TP. Ouais. Il a bait la réaction, c'était neutral bait. Enfin, il a bait la première. Il a fait un bait, il voulait retourner en ledge direct. Ok, my bad. Mais ouais, c'était bien bait cette réaction rapide. Mauvais côté. Bush kick, ce sera tanké par l'armor, mais ça met quand même des énormes dégâts. On trouve le back hit du up tilt qui va combo directement into upper. Et comme je disais, cette interruption du set, ça a permis à Altec d'inverser le momentum, de retrouver un moment de réflexion pour modifier son jeu. Et là, on est en train de le ressentir. Ça a juste soufflé et retourné bien dans le match. Là, on a vu très belle confiance, c'était bien exécuté. À peu près tout le long de ce match, il a eu l'avantage. Hein. Altec, c'est un joueur qui peut se retrouver déstabilisé dans certaines situations. Mm. Mais s'il a un moment, il va simplement se refocaliser. Et alors là, c'est un des joueurs les plus carrés qu'on ait vu. Si Altec se refocus, soyez sûr que c'est dur. Mais vraiment très très dur. Okay, et PS2, on change de map. Hein. C'est bon, 3 games de SBF, on en a marre. Mais pour l'instant, c'est juste pas qu'il trouve les combos. Upper, le petit backer qui est trouvé, le weak hit. Et puis ensuite, on trouve un petit extend avec le jab lock. Malheureusement, on trouvera pas plus. Hein. Mais 84%, c'est quand même énorme. Backer, encore une fois, le petit tuff dans le neutral B. Oh là là, c'est très joli. Là, Montec, il pensait qu'il allait venir. Je pense qu'il voulait react, mais un peu trop tard. Koopa qui commence très bien là, ce match. Point où je me retrouve juste en admiration du gameplay de back et d'Altec, et j'arrive plus à commenter sauf dans les moments où il y a vraiment quelque chose qui se passe. Voilà, okay, on trouve bien cette position sur le landing avec le F-Smash qui dure très longtemps. Okay. On laissera pas back étendre son combo. On reprend le contrôle du stage, on le force à aller high encore une fois. Et vraiment, c'est. Back a la possibilité d'éviter le ledge trap les trois quarts du temps, au moins. Mais après, ce sera vraiment un jeu de catch the landing. C'est ça. Hein. Catch the landing. Et ça, Zelda, elle sait très bien le faire. Oh là là, on avait la bonne ligne, malheureusement, c'était pas react au bon timing. Là, on va pas encore tuer à ce pourcentage-là. Sur PS2, ça aurait été bien dual par back également. Ok, pas de confirm sur ce backer. Ouais, oh, et ça catch la spot dodge, le S-Smash qui dure quand même assez longtemps. Hein. Sinon, on trouve le nerf à top shield sur ce nerf un petit peu trop avancé sur le shield de back. Il va vraiment utiliser des petits mouvements, des dash shield, etc. pour un petit peu perturber le spacing de Altec et pouvoir le punir à top shield. Oh, le gars, il est magnifique combo! Le down air sweet spot into F-Smash qui va lui permettre de monter encore les pourcentages. Et là, on a un petit peu trop hésité avec Altec qui contrôlait la plateforme et on est retourné dans l'épée de ce Phantom Knight. Je vous montre à l'air dodge pour éviter le S-Mash, hein, ça aurait pu être fatal. Back ne sait plus trop où aller là, il a vraiment du mal à sortir de là et la back throw va toujours pas le faire, mais on était vraiment pas loin. Pour l'instant, Back qui arrive à survivre 150%, hein. J'avais l'avantage, mais malheureusement il vient de le perdre. On joue lentement, hein. on essaye de bait surtout. Et le bush kick, après la spot de back. On trouve l'aigle, est-ce qu'on arrivera à trouver la poussière? Non, le petit nerf qui passe, ça n'inquiétera pas Altec, mais il a failli se prendre encore un confirm à la base, à base de Hectos. Ouais, c'est le confirm qui aura fait les affaires de back sur les premières games de set, hein, qui lui a donné le lead 2-0. Et là, là, encore une fois, c'est Altec qui a l'air de reprendre un peu le contrôle. Mais on n'est pas à la rue d'une surprise. Hein. On a bien notre alert de ce forwarder là qui a failli catch. Ok, on essaie de se sortir du corner avec le Phantom Knight qui va contrôler l'espace. On essaie de reprendre le contrôle de la Pokéball, on se bat pour ça. Très bon, très bonne ouverture trouvée par Back, mais il n'y aura aucune conversion là-dessus. Ok.
On se cherche tellement et là le sweet spot nerf. Sur les deux premières frames actives, c'est quand même très strong. Hein. On s'est respecté mais d'une force. Et très bon changement de tempo du coup pour back pour trouver ce nerf. Et du coup le kill. Et ouais, tout à coup, ouais, ça semble plus tellement en faveur d'Altec. Les pourcentages ont été égalisés, le lead a été repris par Mac. Très bon placement pour éviter le upper, on arrive à garder ce ledge également. Et là, ouais, Altec peut être clairement sur sa stade de Winnersail et ça va être par Back Sintou, le spike, Back qui gagne cette winner finale. Du coup, Winnersail pour la grande finale, Back qui est garanti d'un top 2 sur ce spike. Là, c'était... C'était vraiment le moment où on arrivait au bout de... On est vraiment si bon à Lyon. On est vraiment bon à Lyon en fait.